Le foyer d'hébergement de Tiverlaine dépend du groupe Vivre 3 Bretagne. Il dispose d'un agrément de 20 places en hébergement permanent. Le foyer se trouve sur la commune de Landudec, dans le Finistère. L'environnement est arboré et agréable. Il accueille des personnes en situation de handicap de 18 à 60 ans. Le foyer peut accueillir des résidents de manière temporaire. Ils peuvent être stagiaires à l'ESAT et vouloir découvrir la vie en foyer ou avoir besoin d'un logement d'urgence. Le foyer est ouvert toute l'année. Chaque résident a son studio qu'il peut aménager à son goût. La mission principale du foyer est de vous aider à avoir le plus d'autonomie possible dans votre quotidien. L'équipe éducative peut vous accompagner à faire vos papiers, à gérer votre argent, à organiser vos loisirs. Chaque résident a un référent qui l'aide à réaliser son projet personnalisé. Avec votre référent, vous participerez à l'écriture de votre projet personnalisé. Ce document précisera vos attentes, vos besoins et les moyens pour les atteindre. L'équipe éducative est composée de professionnels diplômés qui accompagnent les personnes dans leur vie quotidienne. Le personnel est qualifié et participe régulièrement à des actions de formation. Il est encadré par une directrice adjointe et une responsable de service qui coordonnent les actions et l'organisation de l'établissement. Une équipe d'agents de service intérieur assure la préparation des repas, l'entretien des locaux et du linge. Le secrétariat assure l'accueil des visiteurs et participe à la coordination de l'information sur les différents services. La psychologue propose des entretiens aux personnes qui le souhaitent. Elle peut aussi rencontrer les familles. Le prestataire de cuisine assure quant à lui la préparation et la livraison de repas équilibrés et adaptés aux besoins de chaque résident. L'équipe des services techniques assure les dépannages et adaptations des locaux et du matériel. Les activités constituent un moment important dans le rythme de vie du foyer. Vous pourrez vous inscrire à des activités sportives, culturelles, en fonction de vos envies, de vos souhaits et en lien avec votre projet. Pendant les vacances, vous pourrez participer à des séjours extérieurs organisés par des associations ou à des mini-séjours organisés par le foyer. Le CVS est un lieu d'échange avec la direction pour échanger des remarques, des souhaits en lien avec l'organisation du service. Votre parole est très importante, vous êtes donc encouragé à participer à cette instance. Le contrat de séjour signé par vous et la direction clôturera l'admission au foyer d'hébergement de Tiverlaine.